خاض المنتخب الإيفواري آخر حصة تدريبية له بملعب الشمس قرب فندق إقامته، وذلك استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا في أولى مبارياته الإفريقية، حيث شهدت الحصة المذكورة حضور جميع لاعبي الساحل العاج المتواجدين في القائمة النهائية. وفضل الطاقم التقني لمنتخب الكوت ديفوار خوض الحصة التدريبية على الساعة 4:30 عصرا من أجل الاستئناس بالأجواء الحارة، خاصة وأن المواجهة التي ستجمعه بمنتخب البافانا بافانا يوم غد ستجرى في نفس التوقيت. واعتبرت جولة الصحافة الإيفوارية أن المباراة أمام جنوب إفريقيا لن تكون سهلة، غير أن الفيلة باتوا جاهزين لهذه المواجهة، مؤكدين أن المنتخب المغربي بنجومه يعتبر المرشح الأول للتأهل في هذه المجموعة. الماتش contre l'Afrique ça sera un match vraiment technique, un match difficile pour les deux équipes. Nous voyons une équipe de l'Afrique du Sud qui prend moins de buts, qui a fait les éliminatoires parfaites. Une équipe de l'Afrique du Sud dont les joueurs jouent pratiquement dans le championnat local. Une équipe d'Afrique du Sud qui a une certaine osmose depuis un certain moment. Donc ça serait un match très difficile. Mais la Côte d'Ivoire aussi, je peux dire, a son mot à dire, parce que c'est un match qui revanche pour la Côte d'Ivoire. Je le disais tantôt, c'est un match qui revanche pour la Côte d'Ivoire. En 2000, le 22 juin 2003, l'Afrique du Sud a éliminé la Côte d'Ivoire de la course à la CAN 2004. Donc aujourd'hui, après, nous avons eu des matchs nuls. Aujourd'hui, en 5 confrontations, l'Afrique du Sud mène 1-0. Donc nous disons que c'est l'occasion plus que jamais de rétablir la parité et puis après engager nos championnats. Sinon ça sera très difficile avec la chaleur de part et d'autre, parce que la chaleur aujourd'hui c'est l'ennemi de toutes les équipes qui sont en Égypte. Donc il va falloir supporter, les organismes vont pouvoir souffrir, mais il faut gagner pour la nation. L'équipe marocaine, quand il voit Ziyech, Benatia qui est vraiment solide en défense, Ziyech qui est là, ça y est, c'est consort, ben, je pense que c'est une équipe. J'espère que la chaleur va quand même les jouer un tour aussi, parce que si tu les laisses, ben, c'est des TGV, ils vont très vite, ils sont très techniques, ils sont, pour être sérieux, c'est une équipe solide sur tous les plans. Mais il ne faut pas que les gens se fient sur ce qui s'est passé. Hervé Renard, il a connu les mêmes défaites pendant la préparation en 2015 à la Côte d'Ivoire. Il faut faire très attention. Hervé Renard, c'est ce qu'il attend aujourd'hui. Il a déjà fait, ça fait 3 ans pratiquement qu'il est en place. Il a raté une Coupe du Monde parce qu'il espérait, avec les joueurs qu'il avait, parce que le premier tour, il n'a pas pu. Il est resté en quart de finale en 2017. Mais même si c'est l'Égypte qui l'a sorti, mais après, il sait qu'il y a beaucoup d'attentes du peuple marocain cette fois-ci et qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Ce sera un match vraiment compliqué parce que le début de cette CAN 2019 a vraiment montré qu'il n'y a plus de petites équipes. On a vu une équipe zimbabwéenne vraiment tenace, une équipe ougandaise vraiment tenace. Ça sera vraiment dur, mais je pense que la Côte d'Ivoire pourra s'en sortir. Je ne dirais pas pour de la mort. La Côte d'Ivoire et le Maroc se connaissent un peu plus. Et peut-être dernièrement, à cause de Hervé Renard, qui connaît plus la Côte d'Ivoire pour avoir remporté la CAN 2015 avec la Côte d'Ivoire. Psychologiquement, on connaît un peu l'état d'esprit de l'équipe ivoirienne, mais je pense que cette fois, on aura nos revanches sur le Maroc. Alors, c'est un match qui sera pas donné, parce que, comme vous l'avez vu dans le début de ces compétitions-là, quelles que soient les équipes, elles sont toutes engagées. Donc, nous, on vient avec nos armes, c'est sûr qu'on va tout donner. L'équipe nationale marocaine, aujourd'hui, il n'y a aucun Ivoirien qui ne connaît pas cette équipe, parce que l'équipe commence à devenir la bête noire. Je dis commence parce que je pense que pour ce match-là, ça va être... C'est notre deuxième match, c'est vrai, mais nous n'allons pas nous laisser faire. Hein. C'est une belle équipe et cette équipe a l'avantage d'avoir un des sélectionneurs de la tranche de Hervé Renard qui nous a emmenés jusqu'à la victoire. Donc, connaissant son talent de manager et surtout de gagnant, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe, donc l'équipe du Maroc a intérêt à gagner tous ses matchs avant de retrouver la Côte d'Ivoire.